Hey yo yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, ça va à merveille de mon côté. Je te souhaite une joyeuse fête, on va dire, du nouvel an. Déjà dans 3 jours je pense, hein. Ce sera bon. Alors ne déprimez surtout pas, gardez votre mal en patience et surtout fêtez dans la quiétude, j'ai envie de dire. N'oubliez surtout pas masque, distanciation sociale, c'est important. Même pendant cette fête. Le virus également, fête dans son coin. Donc prenez réellement garde à sa famille. Et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo famille pour parler du cancer de Fally Ipupa à Abidjan. En fait, je dirais plutôt de 3 phases de son cancer tout simplement. Et que vous devriez savoir de l'entrée des jeux famille, le cancer de Fally Ipupa en fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais j'en parlerai dans une nouvelle vidéo, bien évidemment. Et bien, tout le long de celle-ci, je vous parlerai simplement de 2-3 apparitions, j'ai envie de dire, hein, 2 artistes qui ont été invités et qui ont bien voulu faire également une surprise à Fally Ipupa. Ce que vous devriez savoir, family, est que parmi les 3 phases de son concert, il y a une phase qui a mieux retenu l'attention de tout le monde, family, un concert à 100 000. Tellement d'avis divergents à ces sujets, dépendamment de ces concerts à 100 000, qui équivaut à 200 $ normalement. Et ben, il y a eu tellement de malcontents en disant que Fally ne devait pas non plus se produire, on va dire, hein, avec ces tarifs-là, avec cette somme-là, c'est colossal et tout. Et ben, moi, je vous dirais d'emblée, Fally Ipupa, c'est un artiste, musicien congolais, interprète, auteur, compositeur qui sait s'entourer des sophistications, qui a donné, on va dire, hein, de la bourgeoisie à sa musique, et c'est une façon pour lui, j'ai envie de dire également, hein, de mieux gagner son gagne-pain, puisque c'est son travail, il ramène de la bonne musique, il ramène de la bonne rumba, ainsi que de styles divergents, tout en rajoutant, on va dire, hein, du bling bling, de la bourgeoisie et tout ce qui va avec, j'ai envie de dire, hein, pour essayer d'attirer votre attention. Et ben, à savoir, à ces prix-là, tous ceux qui ont participé à ces concerts sont répartis avec un CD dédicacé de Tokos 2, son nouvel album sorti le 28 décembre dernier, family, et qui fait un tabac jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je dirais d'ailleurs, c'est grâce à cet album que Fally Ipupa a réussi à se produire tout simplement, family. Donc voilà, comme invité, family, sur la scène de Fally Ipupa, je vais essayer un tout petit peu de mélanger le concert. Il y a eu Gims, le frère Adadjou, grand vendeur de CD, l'un des membres de la section d'assaut qui nécessairement se sont réformés pour livrer de tonnes et de tonnes de concerts, enfin pour une tournée, j'ai envie de dire, normale, déjà l'année prochaine. Et ben écoutez, je reviendrai dans une nouvelle vidéo pour parler également de ça. Enfin, c'est à vous, bien évidemment, de me dire quoi en commentaire, family. Donc, hormis Gims, il y a eu également Safarel Obian. C'est un artiste, j'ai envie de dire, hein, ivoirien, mélangeant beaucoup plus des styles, family. C'est son là, le des artistes qui ont nécessairement assisté Fally Ipupa pendant ses production, j'ai envie de dire, en Côte d'Ivoire, tout simplement. Eh ben, écoutez, moi, je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour parler de la polémique tout autour de ces concerts. Nécessairement, Fally Ipupa a réussi à relever ses défis de la plus belle de façon possible. Eh ben, carton plein dans chacune de ses productions, ce qui est un tout petit peu rare, hein, pour d'autres artistes. Eh ben, écoutez, parmi les artistes qui se sont produits en Côte d'Ivoire, notamment Gims, Ninho, ainsi que Fally Ipupa, j'ai envie de dire, hein, c'est l'une, on va dire, hein, de star, l'un des artistes à pouvoir faire full, comme ça s'est dit assez souvent, c'est-à-dire sold out, complet, fin, full. Donc voilà, family, je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour parler de cette fameuse polémique, bien évidemment. Hey, moi c'est Vimaoete. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Je vous apporterai toujours de nouvelles en rapport avec la musique, avec les artistes congolais, ainsi que d'ailleurs pour essayer de mixer, de mélanger quelques cultures possibles. Et dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne, la culture africaine, notamment, family. Donc voilà, warriors du monde entier, je vous demande une chose, abonnez-vous, soutenez le travail, ce sera quelque chose de bien. Tous ceux-là qui ont suivi la vidéo tout en étant pas
pas abonné, abonnez-vous, faites-le, famille. Moi, c'est Vima Wété. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je réitère encore mes souhaits. Fêtez bien de là où vous êtes, famille. Hey, joyeuses fêtes, tout simplement, à vous. Et bonne année 2021. Mettez le meilleur. Ciao.